up tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Joy of the Creation Story Mode. Donc aujourd'hui il pleut dehors, j'espère que chez vous il fait beau, chez moi il fait moche. Et quand il fait moche, je joue à Joy of the Creation. Genre c'est le mec qui a pas compris. Ok, c'est parti. You really think it was a good idea letting him stay? Well, it's not like he was in any condition to do anything. Did you see his clothes? It's like he came out of a bonfire. I mean, I could have, you know, called an ambulance, maybe dropped him off near a hospital would have been better. I just don't think I'd feel comfortable with a complete stranger just ending up sleeping in our house is all. Oh, honey, you worried about the kids? Of course I'm worried about the kids. He's sleeping right next to them. How can I not be? What if he's faking, Val? Ooh. We could stay here to make sure nothing happens, if you're that worried. All night? Of course all night. Come on, don't you want to spend time with me more? You are done updating your site for the anniversary. How about we just sit here in the living room and watch some TV while we keep an eye on the kids? I mean, sure, I guess. Yeah, I guess we could do that. I just gotta go make sure one more time nothing's wrong, all right? I'll be right back. Ooh, ça va être chaud. Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. You worry too much. Ooh, ça commence! What was that? Ok, ok, le dernier niveau commence. Donc, je pense que là on va devoir... Non, est-ce qu'on va devoir encore faire 5 heures? Parce que je sais pas si les niveaux en fait ils se suivent automatiquement. Parce que la dernière fois on a réussi à aller jusqu'à du coup 5 heures dans la salle à coucher. Non, je pense pas que ça suit. Ok. Hello? Is someone there? If anyone can hear me, please respond immediately. Who is it? What in God's name is going on here? Oh, it's me, Michael. Look, there's no time to explain. Just know that you are in grave danger. Is Scott there with you? My husband? No, he isn't. He just went to... What do you mean I'm in danger? Oh, no. Ma'am, I am very, very sorry. This is all my fault. You need to stay calm. I'll try to help you through this. Just please listen to me very carefully. What? Listen, there are monsters that are going to arrive to your room real soon. If they see you, you are dead. Do you understand that, ma'am? It is very important that whatever occurs, just don't let them see you. All right? I know. Look, just... You're in the living room, right? Try to focus on the three entrances behind you. The exit to the house should be locked and they won't come through there. Ma'am, is the TV in your living room turned on? Yes, but it's filled with static. All right, please keep an eye on it. It should help you. Look, they usually come from either the left side or the right side. You have nothing to stop them, so if you see one of them about to enter the room, just hide. Hide? Hide where? Move somewhere they won't be able to see you, okay? Well, I don't know which one will come from which side, but if you look at the TV, you might be able to tell by yourself. You might hear noises later on in the night. Pay attention to those. Do I have to stay here all night? What about my children? What about my husband? Look, it's very hard to explain, ma'am, and no, just wait until 6 a.m. to be safe. I'm gonna help Scott get out of here myself. Don't worry, just... I don't understand. What is even happening? How do you know all of this stuff? Wait a second. How do you know my husband's name? I was there when he found you, Michael. He never said his name. How do you know? Michael? Oh, donc là, la personne qui vient de nous parler, apparemment, c'est la personne qu'on était avant, en fait. Donc, comment dire, qui venait d'arriver et qui venait dormir là parce qu'apparemment, je sais pas, il s'est blessé ou quoi. Donc là, on joue la femme. Je sais absolument, réellement pas quoi faire. Le temps passe pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? La télé, elle marche pas. Il a dit de regarder la télé, mais on peut rien faire avec la télé. Du coup, c'est mort. Et Freddy. On reste pas du tout quoi faire. Je pense que... Il a dit qu'ils allaient venir du coup par la gauche et la droite. Mais les portes ont l'air complètement verrouillées, je peux pas les ouvrir moi. C'est mieux pour moi, je pense. De toute façon, c'est pas moi qui ai peur d'eux, c'est eux qui ont peur de moi. Personne n'arrête la Big Mama. Je sais pas ce que je dois faire.
C'est juste... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils sont arrivés, ils étaient trop tranquilles, ils sont arrivés comme ça. Bon, apparemment ils arriveront pas par là. Mais est-ce que je peux pas ouvrir la porte et me barrer? Je me sens pas bien moi ici. Je suis claustrophobe, en anglais je suis bien. Mais il y a des trucs que j'ai pas compris. Je crois pas qu'il ait bien expliqué comment on fait pour suivre. Il a dit cache-toi, cache-toi. Mais je sais pas me cacher. Mais ils vont arriver dans tous les cas, comment je peux me cacher? Je peux pas sauter par la fenêtre. C'est la personne genre ouais, sauter par la fenêtre c'est quoi? Mais regardez là, ils sont là. Je dois faire quoi? Oh attendez. Je peux m'asseoir. Si je m'assois, je peux regarder la télé. Ah, il y a le nom des animatronics. Ok, Freddy, il est là. On peut voir leurs yeux. Qu'est-ce que je dois faire? Pause. Pause. Je peux contrôler les animatronics? Il n'y a que Freddy et Foxy. Pause. Et je pense pas que si je fais pause sur un, ça fait pause sur les deux. Ok, là, il est près de la lampe. Non, ça fait pas pause sur les deux. Ok. Faut que je fasse gaffe. Ok, déjà, d'où je peux contrôler Freddy et Foxy? D'où? Il y a son museau là qui dépasse. Je pensais que j'allais m'envoyer en l'air cette nuit. Pas mourir. Ok, là il est juste devant la porte. Oh putain, lui il est juste devant la porte. Oh non. Bonjour. Bonjour Foxy. Eh hey, Foxy il est trop classe n'empêche, avec son gros museau et tout. Ok, alors peut-être que j'ai une idée. Bon, admettons qu'il y ait personne qui arrive par là. Freddy, pause. Faire en sorte que Foxy ait un énorme délai en fait. Genre qu'elle puisse rentrer. Et vu que Foxy elle rentre par la droite je crois, je pourrais me cacher en fait derrière la porte pour pas qu'elle me voit. Je pense que c'est l'idée. Parce que les deux en même temps, en tous les cas, peu importe où je mets dans la salle, ils me voient. J'espère juste qu'il y a personne qui vient derrière moi. On va voir où on est Foxy. Foxy on y est presque. Pour l'instant la soirée s'annonce grandiose. Vous voyez, c'est ça aussi le problème. Genre quand tu veux le dernier Kinder Bueno, t'es sûr qu'il y a des animatronics qui vont venir te tuer. Ok, on se casse, je vais mettre là. Normalement il me verra pas. Il va débarquer. 5 à 3, 2, 1. Foxy. Putain j'y crois pas, ça a marché. Il me voit pas. Il va se barrer. Alors, où en est le petit Freddy? Ok. Freddy, il est un peu loin maintenant. Où en est Foxy, du coup? Qu'est-ce qu'elle fait, Foxy? Je sais pas ce qu'elle va faire, du coup, Foxy. Ok. Bon, on va mettre pause sur Freddy pendant quelques temps. J'ai pas envie que Freddy vienne. Freddy, il a pas le temps. Quoi, tu me diras maintenant, vu qu'il est assez près, en vrai, je pourrais mettre pause sur Foxy. Vous savez quoi? Ok. On va faire l'inverse. Maintenant, on va aller sur... On va attendre que Freddy arrive dans la pièce. Il y a un bruit là-bas. Bonjour. Ah! Freddy, il bave en plus ce con. Ah, est-ce que je suis trop belle. Donc, maintenant je commence à comprendre le principe du jeu. Directement, on met pause sur Freddy. Il n'y a aucune chance pour qu'il débarque. Non, là, c'est Foxy. Bon, c'est pareil, c'est l'inverse. On va attendre que du coup, il rentre Freddy, et après on fera l'inverse pour Foxy. Je sais pas, faudrait compter le nombre de secondes. Il faudrait que j'ai un téléphone pour compter en fait combien de temps ils mettent à venir à ma pièce. Si je pouvais savoir combien de temps ils mettaient pour venir chez moi, ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, on va rester là. On reste. C'est ma maison. Ma terre. C'est ma terre où je m'assois. On n'y touche pas. Comment va Freddy? Ok, Freddy va bien. Il fait ses courses. S'il vous plaît. Après, j'allais voir mon pote Fabrice. On doit aller faire du curling. J'ai pas le temps pour vous, les gars. Ok. Freddy, il avance lentement, mais sûrement. Du coup, là, 1, 2, 3. On se casse. Merde. À chaque fois, j'appuie sur le mauvais bouton. Ok, il va débarquer maintenant. 5 à 3, 2, 1. Freddy! Non? Freddy? Non? Freddy! Bonjour! Il me voit pas. Il est aveugle. Optique 2000! Non, maintenant, je pourrais laisser Foxy arriver en fait. Oh, c'est. Là, on est sur une bonne stratégie. Par contre, je sais pas ce qui pourrait venir derrière moi. Je crois que. J'ai vu quelque chose tout à l'heure, mais je vois pas ce qui pourrait venir derrière moi. Foxy! T'es moche! T'es comme le jeudi, personne t'aime. Désolé. Foxy, c'est clairement l'un de mes préférés. Ok, pause sur Foxy. On attend que Freddy débarque. Par contre, si c'est ça pendant tout le gameplay, ça va être long. Ça va être très long même. Là, il y a Freddy qui va débarquer. Bonjour. Casse-toi. J'adore me faire respecter. C'est trop la classe. Ok. Ah! C'est Bonnie! Faut que je surveille Bonnie maintenant. Ma vie est morte. Foxy! Bonjour, Foxy. Tu vas bien? T'as mangé des croquettes? Je crois qu'il y a... Bonjour. Tu sais, je suis le champion du monde de combat de regard. Il faut que j'aille là, faut que je me cache. Je
sais pas s'il me verra là. Ok, il me voit pas. Cool. Okay, faut que je me dépêche. C'est Freddy, je crois, le prochain qui va débarquer. C'est une vraie partie de cache-cache en fait. Ok, Freddy va débarquer. Tout va bien. Ok, Foxy arrive. Je vais mettre pause sur Freddy. Et après, faut que j'aille voir Bonnie. Putain, j'ai trop de trucs. C'est horrible. Il y a trop de trucs à réfléchir maintenant. Par contre, il est 2h du matin, c'est cool ça. Ok, toujours pas de Bonnie. Du coup, je peux m'occuper clairement de. Oh, il m'a pas vu. Donc, normalement, le prochain arrivé, c'est Freddy. Oh, Freddy, l'équipe de la nuit. Ok, il est là. Donc en fait tout le jeu maintenant c'est une question de timing. Casse-toi. Bonnie en fait c'est pas genre la pire parce que Bonnie en vrai il est lent à venir. Ou elle, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ok, Bonnie est là. Bonnie c'est pas ton anniversaire, tu dégages. Ah, tu es moi. C'est, alors je dirais qu'au niveau de l'ordre de priorité, je crois que c'est Foxy, enfin Freddy, Foxy en premier. Et juste en bas Bonnie. Parce que Bonnie elle prend beaucoup de temps à arriver. Et Bonnie, je peux me cacher les deux côtés. C'est ça qui est cool. Faut juste pas que je sois en fait genre à l'ordinateur. Donc Bonnie en fait c'est genre, en plus je peux pas l'arrêter. Donc Bonnie c'est vraiment que du bonus. Salut Freddy, t'as pas les frites? Ah oh, Freddy. Au revoir. Les trois d'affilée. Squaz-bouille. C'était quoi ça? Est-ce que la télé marche encore? Je m'attendais tellement pas à voir cette chica. Je sais plus. Je suis quand même en mort, attendez s'il vous plaît. Aidez-moi. Je peux plus bouger. Je peux rien faire. Je pense qu'il faut que je m'assoie sur le canapé 2 minutes, faut que je reprenne mes esprits. What? Bon voilà tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Joy of the Creation Story Mode. Si vous avez des conseils pour m'améliorer ou des trucs qui pourraient m'aider pour terminer le niveau pour la prochaine vidéo, ce serait vraiment cool. Donc si vous les avez, dites-les dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu pour plus de vidéos sur Joy of the Creation. A plus sur mon site, et ciao.